Frère Maxime, yo, zanmim yo, mwen salye nou nan nan Jezu, nou pa mse Sœur Dominique, e nou kontan pou nou avek nou nan mouman sa, pou nou fè yon ti pale avan nou priye. Sa mda eme ankoraje nou, ke travay sa ke map fè, se yon travay ke bon Dieu relim pou mwen fè, nou te fè an pil e désobéissance avan nou finalman aksepte pou nou fè sa bon Dieu mande nou fè. Et m'a encouragé nous pour nous toujours prendre petit temps pour nous temps des prières yo partager yo gagne pile grâce nan yo et que ça m'a demandé nous tout aussi gagne un sujet nous ta même moi prier sur yo tout parfois gagne monde qui connaît un sujet qui ont petit genre nuit l'esprit yo si gagne un bagage que nous ta voulons prier sur lui nous capable mettre en commentaire ou bien nous capable voyer un message pour moi nan email mwen ou bien nan Facebook pou fè m konnen ke nou kapab priye parce que se yon travay an ekip liye et que an pil fwa ke nou kon mete priye yo se suivant bon Dieu inspire nou mais parfois kon gen moun ki bay sujesyon ke ki de problèm ki ap travèse de tous les jours ke ta remen nou priye sou yo et puis c'est une façon pour aider chak moun rete nan et rete en connexion avec bon Dieu tout. Et puis moi j'ai besoin de grandir channel là pour moi capable faire des prières live et les prières live yo que moi capable briller pour prier ensemble avec yo. C'est n'a pas encourager nous pour nous abonner, partager et puis mettre like pour yo, mettre petit commentaire ça nous penser et pour aider channel là et que m'apprécier tout le monde qui a fait effort pour faire ça. Nous on a un pile monde qui fait un pile effort pour supporter et nous Dieu merci pour ça. Et nous demandons bon Dieu va déverser plus grâce et onction sur nous. Et puis si nous t'aime pour contact avec moi marcher dans l'église de Dieu Révélation de Norristown dirigée par pasteur Cardi et pasteur Nicolas. Si nous t'aime pour contact avec moi, c'est là la jeune Norristown PA et nous capable encourager pour faire ça et que bon Dieu bénisse nous. C'était un plaisir pour nous te faire ce dialogue ça avec nous. Que bon Dieu bénisse nous et puis dispose que nous pour prier que nous puissions attendre pour nous être capables de bénir. Bon Dieu bénisse nous. La paix, bon Dieu avec nous. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. Nous sommes sur l'après-midi Nicolas. Moi, content pour nous présenter ce après-midi pour nous partager la parole de Dieu dans Hébreux 13, verset 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tous souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Mais après-midi, nous allons parler des conséquences de l'adultère dans le foyer. Conséquences adultères gagnées dans le foyer. Il est très important pour nous comprendre le mariage, c'est bon Dieu qui institue et c'est une chose qui est sacrée par Dieu. Lorsque bon Dieu mettait deux mondes ensemble, pas de monde qui doit séparer ou mettre fin à ce que bon Dieu fait. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Il est très important pour nous réaliser mariage à doit rester dans la sainteté, dans la purification. Mariage à doit rester dans la présence du Seigneur. Nous devons garder notre fidélité. Ça veut dire que l'homme fait un acte d'adultère, ça, c'est manque de fidélité qu'il gagne. Il n'est pas fidèle dans l'alliance, dans le contrat qu'il passe avec mon nom. Il n'est pas fidèle, ça veut dire qu'il écrase l'alliance, il écrase le contrat. Manque de fidélité dans le foyer, c'est ça lié. Et il y a une conséquence que l'infidélité a l'hypothé, ou pas seulement infidèle avec mon maria, premier monde qui commet infidélité à l'IA, c'est bon Dieu. Lorsqu'on fait infidélité dans un foyer, c'est bon Dieu qui premier monde qui trompe. Parce que mariage a un aspect physique, elle a un aspect spirituel. Ça veut dire spirituellement, ou trompe bon Dieu. Qui t'a établi mariage là, qui t'a dit que le mariage soit honoré de tous, qui t'a dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Ça veut dire spirituellement ou briser contrat que vous avez gagné à bon Dieu. Ça veut dire ou pas fidèle à bon Dieu. Parti spirituel mariage là, ou briser, ou craser, ou défaite, ou déranger, ou troubler aspect spirituel mariage là. Premier moun ko infidèle avec c'est bon Dieu, c'est pas mon mari a seulement ko commettre infidélité ou commettre infidélité à deux groupes de moun là qui c'est bon Dieu qui sont être spirituel qui siège dans les lieux très haut et ou coupable envers moun ko marié
ou troublé. Ça veut dire spirituellement pas gardé parce que aspect spirituel mariage là, typifier l'église avec Jésus-Christ. Pas oublier ça. Aspect spirituel là, typifier l'église avec Jésus-Christ, les symboliser là. Ça veut dire c'est très important pour respecter mariage physique là, alors qu'on est ça. Ça veut dire bon Dieu voulait que ou fidèle dans mariage physique là, même Jean voulait qu'ou fidèle dans relation spirituelle ou gain avec en tant que l'église, en tant que épouse de Jésus-Christ que l'a préparé pour venir chercher. C'est non seulement tromper bon Dieu dans sens spirituel ou tromper le monde ou marié à tout dans aspect physique. Ça veut dire physiquement ou tromper mon marié à ou partager chair li avec l'autre monde, avec étranger. Parce que la Bible dit corps Maria c'est pour madame nan, corps madame nan c'est pour Maria. Di pas doit partager, ça veut dire pas partager la zami, ou pas partager la boss travail, ou pas partager la l'autre monde de yo, ou pas prendre corps spirituel bon Dieu ba wa pour partager à Maria madame nou, pour aller faire yon corps de prostituée. Pour aller chercher prostituée dans l'aria ou bien chercher moun dans l'aria pour venir coucher sur le lit conjugal, l'on coucher sur le lit conjugal là avec moun ça ou polluer le lit conjugal là ou mettre démon en démon qui rentre dans foyer en pile dégâts qui passé en pile bagaille grave qui passé. Ça veut dire physiquement côté où tu dois consommer l'amour arqué, c'est un amour physique qui relié corps à corps, li relié corps Maria corps madame nan. Ça veut dire li uni deux corps ça yo ensemble. Ça veut dire li rejoindre deux corps ça yo, la Bible explique ça bien. Ça veut dire li dit ça veut dire corps vin lié à corps madame nan en esprit et en dans la chair aussi. Ça veut dire spirituellement nous lié, physiquement nous lié, nous lié avec amour à que ça qui relié deux corps yo. Ça veut dire corps Maria corps madame nan, ça veut dire nous rentrer la Bible dit et n'a vini un seul corps, n'a vini un seul chair. Ça veut dire chair mâle à chair femelle là yo pral rejoindre ensemble pour yo capable manifester l'amour à que qui ont l'amour physique, yo amour corps à corps. Ça veut dire l'on fait ça ou tromper partenaire là ou mener l'autre monde dans li conjugal là, ça veut dire ou sale li conjugal là ou pas fidèle là, ou pas rester fidèle dans foyer. C'est là yon la conséquence qui pral gagner, pral gagner démon qui prend posséder foyer ça sous ou pas repenti pour sortir dans vice d'adultère que ou mener. Ça veut dire démon pour venir rentrer dans foyer ça est capable difficile pour eux. Non seulement démon à rentrer ou même exposé à démon parce que pas oublier adultère c'est pas une simple chose, son démon qui est adultère, son démon lié, son esprit, son démon qui sorti dans monde invisible. Pas oublier l'offre adultère c'est démon ou inviter la caillou ou inviter diable la caillou ou inviter mauvais esprit la caillou. Et mauvais esprit ça non seulement la patake ou même qui marie la patake madame et la patake timoun yo tout. Esprit d'adultère que wap fait ou gen doit et pas étonné ou gen doit pas étonné ou elle a reposé sous timounyo timounyo commence à faire fornication parce que ou même qui parent ou welcome mauvais esprit à dans foyer ou dit le bienvenu ou bal chitan dans maison ou bal chaise pour le régner quand elle commence à faire timounyo faire toute vieux vice la chair et puis quand il y a ou parle dit timoun n'a pas bon timoun n'a pas ceci timoun n'a pas et c'est ou même qui relé démon dans kayla qui exposer la vie timoun nan à puissance démoniaque. Ça maman doit faire attention, papa doit faire attention. Il y a monde qui marié, il y a des années, il a fait adultère, mais yo pas comprendre qui gravité qui gagne dans ça. Ça c'est une conséquence adultère à ka fait. Non seulement gon l'autre conséquence qui a mené démon en kayla, détruit timoun yo, détruit madame mari, li ka mené divorce aussi. Parce que c'est ça Satan veut. L'elle fait mon va adultère, la travaille pour mon n'a faire adultère jusqu'à ce que li divorce moun yo, li sépare moun yo, le mette yo dos à dos. Et l'elle séparé moun yo koulé en conséquence grave là, non seulement li pral vinn sou ti moun yo, c'est ti moun yo pral payer conséquence ça tout. Yo pense c'est eux même seul qui en jeu, ti moun yo vinn en jeu koulé en ti moun yo pral payer conséquence ou pral souffrir. Yon nan bagay démon kon fèl, l'elle fait moun adulte a, moun nan pa peur quel ka gen sida, li ka prend maladie dans l'arrière, nan coucher à gauche, coucher à chat, li ka mener sida nan foyer vinn bay madame nan. Ça c'est yon nan l'autre conséquence que le carbel nous dit le ka mené démon et ka mené sida n'importe maladie infectieuse STD et ka mené nan foyer a vin reposer sous partenaire là ça moun n'a pas jamais pensé à ça les la pas adultère son bagaille qui grave les moun a fait adultère parce que li pas bon yon de conséquence li pral gagner le moun n'a pas abandonné adultère mari pral séparer à madame pral séparer à mari koulian sak pral passer ti moun yo koulian pral tomber dans foster home si pa gon parent ki pou pran yo koulian
du monde ça yo pral nan foster home yo pral exposé à drogue y'a exposé à alcool y'a exposé avec moun ka rep yo moun ka fè yo enceinte avant l'heure kou le ti moun ça yo vinn subi tout conséquence séparation wa kou le ti moun ça yo pap viv nan bon environnement la vie yo ka déjouer ti moun ça facilement ka déjouer la vie yo ka passer mal et ti moun nan ka trouvé nan drogue nan alcool ti moun nan ka trouvé nan prostitution et la vie ti moun ça ka fini mal ça veut dire les très important le wap fa adultère non foyer c'est toute conséquence ça yo gagné ti moun nan gagne en pile chance pour mourir dans drogue parce que li pa gen couverture maman ak papa songe maman ak papa c'est yo qui couvri ti moun yo spirituellement yo couvri ti moun yo pour protéger ti moun yo pour bailler ti moun yo lumière pour enseigner ti moun yo l'évangile pour mener ti moun yo dans présence bon Dieu les maman ak papa pa fait de voyo ou bien yo pas ensemble ti moun nan pa gen couverture spirituelle pour li an la vie ti moun nan li voit à n'importe intempérie dans monde ça. C'est ça qui fait très important pour penser 10 fois avant de faire adultère dans le foyer. Peut-être petit tout, ou doit respecter ça, ou pas respecter tête ou peut-être ou même, mais à cause de petit tout. Pour connaître ça pral gon gros impact yon gros l'impact sur la vie ti moun nan lor gade ti moun nan ou remen ti moun nan ou c'est pas ça wap kite comme héritage pour ti moun nan. À cause de mauvaise vie sou ti moun nan tout pral tomber dans mauvaise vie parce que ouais maman a fait ouais papa a fait lor a vini pour dire pas fait ti moun a dit papa moi wap chit sou maman tout temps maman moi wap chit sou papa tout temps ou vinn pa un modèle pour ti moun nan ou vinn pa un couverture pour li au lieu pour couvrir ti moun nan spirituellement pour diable pas attaquer pour démon pas attaquer ou exposer ti moun nan démon ou exposer la le monde ou exposer la vis monde là ou exposer la intempérie monde là ou exposer la démon qui dans monde là pour la vie ti moun sa ka perdu. Si moun sa ka mouri mal, il ka fini mal. La vie ti moun sa pa stable. Si c'est pas bon Dieu qui passe main, qui fait ti moun sa grâce. Ti moun sa ka fini nan prison, nan tout vieux bagay qui pa bon, nan vol. Parce que il pa gon parent qui pou couvrir nan yon maison. Li pa gon maman, li pa gon papa, kap sécuriser, kap veiller, kap bal la parole, kap dil men mauvais chemin. Au lieu pour maman choix faire un exemple qui positif de ti moun nan, li fait chose négatif et le mène ti moun nan en dehors de la volonté de Dieu. La ti moun nan dans le monde même Jean lui-même, il dans le monde. So li très important pour moi même avoir qui parent pour nous prendre responsabilité nous en tant que maman, en tant que papa pour nous enseigner ti moun nan la parole de Dieu. Pour nous faire comprendre craintif et respect pour Dieu, respect pour croyo, nous-mêmes nous devons tracer bon exemple pour nous retenir dans foyer pour nous pas mener démons dans foyer pour bon Dieu dit un seul mari, un seul madame, c'est pour nous garder la fidélité. Il y a pile l'autre conséquence nous t'a ba encore, mais n'a camper là pour aujourd'hui à en prochaine occasion, n'a qu'à partager plus. Que bon Dieu bénisse. Nous voulons nous dire bon Dieu merci, nous voulons prendre un moment pour nous dire merci à Pasteur Emile pour bon enseignement ça que tu fais et sur l'infidélité dans le foyer, nous dit bon Dieu merci et nous croyons que enseignement ça a aidé famille pour yo situer pour yo ouais qui gens pour faire effort pour capable kembe famille yo ensemble parce que quand gen bagaille que vous fait et puis qui vienne faire un grand impact sur la vie famille, nous dit bon Dieu merci et nous n'a demandé bon Dieu qu'il va bailler famille yo grâce pour yo kembe enseignement sa yo et puis yo applique yo dans la vie yo. N'a pas va disposer cœur nous pour rentrer dans la prière pour bon Dieu capable kembe nous et kembe famille yo parce que la prière c'est tout ça que nous gagne, c'est force nous, c'est là nous joindre, c'est là nous joindre secours dans et dans présence bon Dieu dans la prière. Et n'a pas va disposer cœur pendant que nous pour rentrer dans la prière. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci, nous exaltons, nous venons en présence dans la minute ça. Nous connaissons bon Dieu extraordinaire, un bon Dieu qui fait toute bagaille, un bon Dieu qui compte mener combat. Nous disons merci, Seigneur, pour la famille. La famille, nous reconnaît, Seigneur, que c'est ça, que façon ça on mettait pour capable et grandir, pour capable grandir et l'humanité, c'est famille qui c'est base l'humanité. Et nous disons merci pour ça. Et dans la minute ça, nous demandons va kembe famille ensemble, retirer toute vieille force qui sorti pour craser, briser, pour diviser famille, pour retirer dans volonté, n'a pas va craser force ça yo. Et n'a pas que enseignement ça qui était fait pour la famille et n'a pas va kembe yo va ou va faire famille yo, mari yo, madame yo va serrer et enseignement ça dans cœur yo, serrer parole bon Dieu dans cœur yo, pour pas pécher contre eux même. Et n'a pas va kembe ti moun yo, si gen moun kap souffri dans minute ça à travers foyer yo, qui senti yo pas gen grâce pour yo camper, qui senti yo perdu force, qui senti que ennemi a pas attaqué
bloquer yo et n'a demandé au Jésus de Nazareth ou va intervenir dans moment ça pour famille yo ou va intervenir pour ti moun yo bon Dieu ou va kembe famille ensemble ou retirer toute force qui sorti pour attaquer toute force infidélité démon ça qui les infidélité cap attaquer maison yo cap attaquer mariage yo c'est façon ça Satan le diable choisi pour le craser pour le renverser et la famille et n'a demandé dans minute ça Jésus va ouvrir yeux et maman papa yo pour comprendre que pour pas faire ou ça même si que t'as joué en tentation mais pour pas pour succomber tentation pour combattre pour capable vivre dans présence pour arrêter dans présence bon Dieu nous te remercions Walewa et n'a demandé autant pour s'il vous passer visiter foyer yo bay grâce à famille yo encourager yo le sta senti yo pas capable yo senti yo pas gain force Seigneur et bay un message bay un parole bay un verset capable aider yo pour camper nous te remercions Seigneur passer dans le monde entier visiter famille yo bay grâce bay force encourager ou pas qui t'en rien retirer ou nan volonté ou pas qui t'en rien retirer sous le ciel là et nous croyons Seigneur yon jour pour rendre nous compte Seigneur de façon que nous te vivons de façon que nous te comportons nous dans le foyer nous Dieu merci Walewa nous bénissons nous exalter et nous croyons Jésus ou ban nous grâce pour cap camper que petit moun yo gen petit moun qui a souffri gen petit moun qui senti au père du grâce n'a pas de Jésus qu'on va encourager ou va bailler force ou va faire comprendre que pour yo soumettre à parents yo en pile fois ça qu'on crée un problème dans foi yo à cause que ti moun yo pas tendé et n'a pas de Jésus ba esprit de soumission pour capable tendé et nous mandons marre tout esprit infidélité dans le foyer marre toute vieille force ça yo toute vieille force qui t'a venir pour venir troubler foi yo nous mandons marre yo renverser dans l'abîme nous crions victoire pour la famille la délivrance pour la famille la liberté quelle que soit famille qui marre qui a souffri de problèmes ça dans minute ça n'a pas de va ba victoire retirer tout esprit mensonge esprit parfois il y a pile monde qui bail mensonge dans foyer à cause de infidélité qui dans foyer il vient marcher avec mensonge et n'a pas de va retirer bagage ça au Seigneur et n'a pas de va mettre confiance et nous connaît confiance c'est une pièce qui est important dans le foyer et la communication aussi et n'a pas de Jésus va mettre communication entre couple pour capable comprendre entre timon mettre coupe et communication dans mitant et nous Dieu merci Jésus nous bénissons Seigneur nous croyons mon Dieu ou fait grâce à famille ou kembe famille ensemble et wap mari vie esprit ça cap bouleverser famille qui c'est esprit infidélité ça le rentrer dans foyer il déstabiliser timon il déstabiliser famille là complètement il déranger que famille là oh nous Dieu merci wadewa nous exalter nous louer nous croyons mon Dieu wap délivrer monde qui a subi de infidélité dans foyer quel que soit c'est madame qui a souffri ou quel que soit c'est mari qui a souffri et n'a demandé au Jésus ou va bailler grâce pour comprendre et ou va délivrer et on va faire moun ça qui commencer faire action ça dans foyer à que moun va prendre conscience si c'est Maria il va prendre conscience si c'est madame elle va prendre conscience que on va suspendre faire champ de bagaille ça dans maison yo pour la vie timon yo pour pas attirer démons et attirer mauvais esprits dans foyer Seigneur nous Dieu merci nous exalter nous louer et nous croire béni famille yo et on va faire yo joindre moun qui était déjà senti que yo perdu dans foyer yo à cause que pas connaît ça pour faire encore yo senti yo perdu grâce yo pas gain force pour continuer on va faire yo joindre après prière ça Seigneur, ou va faire joindre yon côté, ou va faire joindre yon délivrance Seigneur à travers prière ça. Nous te merci mon Dieu, bay grâce Seigneur, bay onction, bay pouvoir, puissance et bay force pour cap camper, l'esprit ça venir pour attaquer yo, c'est pour yo dire non, yo pas soumettre aux tentations, yo pas soumettre dans tentation au nom de Jésus. Bay grâce pour yo apprendre discernement, bay yeux de l'esprit pour yo comprendre et n'a pas de Jésus qu'aimer famille yo comme ça. Nous pas prier parce que nous bonne nous gain mérite. Non Jésus. Amen.